Bonjour. Voilà, comme vous a dit Gilles, je suis à la fin de ma formation d'agronomie. Pour vous situer, ma formation, c'est à Lullier. Lullier, c'est en Suisse, à Genève. On est en partenariat avec un lycée horticole. Donc, en fait, mon essai a été fait sur leur parcelle. Donc voilà, petite présentation du lieu. En fait, les objectifs et comment je suis arrivée ici, pourquoi je suis aujourd'hui devant vous. À l'école, on a pas mal étudié l'agroécologie, les systèmes naturels, et on a pas mal parlé du semis direct en grande culture. Voilà, un peu, j'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi on ne fait pas ça en maraîchage? Enfin, c'est génial, ça a beaucoup d'avantages. Voilà, ça a été un essai qui a été mis en place pour un peu voir quelles sont les difficultés quand on met ça en maraîchage. En faisant mes recherches, je suis rentrée en contact avec le réseau. Voilà, en fait, exactement, il y a deux essais qui ont été mis en place. Un premier, ça a été une comparaison de différentes techniques culturales simplifiées. On va voir. Donc là, c'est en fait voir les difficultés lors d'une transition et voir si une de ces méthodes permet de faciliter la transition par rapport à une autre. Et un deuxième essai, un essai d'occultation et de fauche sur le rumex, enfin voir comment on peut gérer une adventice vivace sans travail du sol. Le premier essai, vous avez ici les cinq modalités que j'ai testées. Le témoin, donc là c'est un travail du sol classique avec une herse rotative. Ensuite, le no-till. Tous les traitements ont eu un couvert végétal durant l'hiver. Et pour le no-till, il a simplement été détruit au printemps et un bâchage supplémentaire a été mis durant l'été, la biomasse du couvert n'étant pas suffisante. Après, il y a deux modalités strip-till, le strip-till mécanique et strip-till végétal. Donc mécanique, ça a été fait avec les moyens du bord, triandine, larron, enfin, à la main. Et strip-till végétal, c'est avec de la févrole sur le rang durant l'hiver pour que ça décompacte là où on met la culture ensuite. Et la dernière modalité, c'est culture associée, du trèfle vivant dans la culture. Donc là, vous avez les différents couverts et pour une question de simplicité, en fait, tous les traitements ont été bâchés pendant un mois. Donc là, vous avez des photos. Voilà, donc en image, le couvert qui a duré du 9 octobre au 15 avril. Ensuite, il a été roulé, il a été bâché pendant un mois. Il faut savoir qu'il n'était pas à stade de maturité au moment du roulage. La culture, donc c'est des poireaux vinaigrettes, des poireaux qui n'ont pas besoin de butage, on fait assez couramment chez nous. Voilà, donc du 15 mai au 7 septembre. Donc un peu les résultats qu'on a obtenus. Donc là, c'est les rendements qui ont été mesurés. Rapidement, en fait, les barres qui ont les mêmes lettres sont considérées comme équivalents, si vous voulez. Ce qu'on constate, les rendements du no-till sont les plus grands, ma grande surprise. En fait, les trois traitements du milieu, donc c'est les trois traitements qui ont été paillés, c'est les trois qui se distinguent positivement. Et donc, on voit qu'il y a une influence, le paillage a eu une belle influence sur les poireaux, mais pas seulement, parce que les trois traitements ne sont pas équivalents. On voit que le no-till est supérieur, on va voir deux, trois facteurs qui ont pu influencer les rendements. Là, c'est des mesures qui ont été faites en fait sur les adventices et sur le couvert. C'est une mesure de biomasse qui a été faite à la fin de l'hiver. On voit qu'au niveau des. Au niveau des adventices, il n'y a pas eu de différence. Donc, en fait, le couvert n'a pas été suffisant pour vraiment montrer une efficacité sur la gestion des adventices. Et au niveau de la biomasse du couvert, on voit que le traitement strip-till végétal est celui qui a eu le plus de biomasse. Ça, c'est dû à la févrole qui produit une forte biomasse par plante. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut un peu conclure de ça? Donc voilà, la biomasse, comme je vous ai dit, elle a été insuffisante. Ce qui est préconisé, ce serait d'avoir plutôt 800 grammes par mètre carré de biomasse sèche pour du seigle. Nous, ici, on était entre 100 et 500, voilà, clairement inférieur.
Et la destruction du couvert qui était difficile, un mois de bâchage au printemps, c'est quand même une perte de temps énorme. Et voilà, si le couvert avait pu être un peu plus mûr, sa destruction aurait été plus facile. Donc on se rend compte que ce n'est pas évident en fait, d'intégrer des couverts végétaux dans les calendriers maraîchers. Et c'est difficile de produire de la biomasse, surtout dans les climats assez froids du Nord. Donc, un deuxième résultat, là, c'est les adventices à la fin de la culture, donc mesure qui a été faite à la fin du mois d'août. On voit que les trois premiers traitements, il n'y a pas de différence entre eux. Donc, le témoin et les traitements paillés ne se distinguent pas. Ça, c'est dû à l'année particulièrement chaude, en fait. Les mauvaises herbes ne poussaient pas, c'était tellement sec. Donc, il n'y a rien peu d'intéressant à relever là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le traitement culture associé, donc les poireaux avec le trèfle, là, il y a énormément d'adventices qui ont poussé. Mais, enfin voilà, il ne faut pas conclure trop vite là-dessus. Le trèfle s'est très mal implanté dans cet essai et il a gelé en hiver. En fait, le semis en octobre, c'est trop tard pour du trèfle blanc. Donc, il a été ressemé l'année d'après. Il s'est développé presque au milieu de l'été. Donc voilà, et j'ai dû l'arroser en fait pour lui permettre de pousser. Donc là, on voit que les adventices qu'on poussait avec ont certainement été favorisées par ces irrigations complémentaires. Alors ça, je vous présente un graphique. En fait, c'est les températures qui ont été relevées dans le sol. Donc il y avait donc c'était à 5 cm de profondeur et c'est le témoin avec le nautile. Et en rose, vous avez la température de l'air. Donc, on peut faire trois constats sur ce graphique. Et juste avant, je vais vous parler, ça, c'est les températures qui ont été relevées au moment du débâchage. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'une bâche, elle permet de réchauffer le sol. Donc, comparé avec la température prise dans une bande fleurie à côté. Mais par contre, le sol dans une parcelle travaillée reste quand même plus chaud qu'un sol sous bâche. Et donc sur le graphique dont je vous ai parlé avant, on constate l'effet tampon du sol, c'est-à-dire quand la température nocturne de l'air descend dans le sol, elle reste plus élevée. On constate le gain de température avec le travail du sol qui peut être jusqu'à 8-9 degrés dans ce cas-là, en début du mois de juin. Donc c'est quand même énorme. Au niveau de la perte de précocité, c'est important. Un autre constat qu'on fait, c'est que quand les températures de l'air commencent à devenir élevées, là au début du mois de juin, donc on arrive entre 25 et 30 degrés, le nautil garde un sol plus frais que l'air. Et ça, en fait, c'est un critère qui est important durant l'été. Donc autant c'est important d'avoir un sol chaud au printemps, autant s'il peut être un peu frais en été, c'est plutôt bien pour tout ce qui est de la biologie du sol. Donc voilà, il y a les pour et les contre, du paillage et du nautil. Un autre graphique, donc là c'est l'humidité qui a été mesurée dans le sol, c'était des sondes qui étaient à 20 cm. Donc là vous avez le témoin et les deux striptiles. Donc le constat un peu le plus important qu'on peut faire sur ce graphique, c'est que le témoin c'est celui qui s'est révélé vraiment le plus sec. Donc en fait le potentiel matriciel que vous avez là, c'est plus c'est élevé, plus c'est sec. Et on constate aussi que l'irrigation, elle est moins efficiente sur le témoin. Donc là, à la fin du mois de juillet, il y a eu un peu une grosse irrigation qui a remis le sol à saturation, à l'exception du témoin qui reste quand même sec. Donc voilà, certainement, l'eau percole un peu en surface et a plus de peine à s'infiltrer. Au niveau des mesures qui ont été faites sur le sol à la fin de l'essai, vous savez, quand on passe à des méthodes sans travail du sol, surtout dans une transition, on ne s'attend pas à avoir des résultats au bout de 7-8 mois. Enfin, ce qu'on craint plutôt, c'est la compaction au début. Donc, les mesures que j'ai faites sont relativement simples. C'était juste la porosité totale du sol. Donc là, on constate qu'il n'y a pas eu de compaction dans les différents traitements. Après, voilà, il faut aussi dire que c'était une année sèche, donc dans d'autres conditions, ça aurait peut-être été différent, mais là, c'est les constats qui ont été faits cette année. Donc là, j'aimerais juste vous faire une parenthèse sur la porosité.
Donc, sur un essai qui serait mené à plus long terme, en fait, la porosité totale, ce n'est pas très intéressant. Et c'est bien de pouvoir distinguer la porosité selon la taille des pores et donc les propriétés qui en découlent. Donc, pour vous résumer, là, vous avez l'image d'une lamelle de sol, en fait. Et donc, tout ce qui est les fissures, les pores biologiques et les vides d'assemblage, donc toute cette porosité qu'on peut voir, c'est tout la porosité structurale, donc ce qui est gros. Et la porosité plasmique, elle est intégrée dans la matrice, en fait. Elle est petite, microscopique. C'est celle qui est responsable de tout ce qui est les gonflements du sol, les réactions chimiques et un peu tout ce qui se passe au niveau microscopique. Tandis que la porosité structurale, elle, donc c'est vraiment celle qui nous intéresse, qui nous parle plus concrètement, parce que c'est celle qui contient l'air, ben, nécessaire pour toute la vie aérobie dans le sol. C'est celle qui contient l'eau facilement disponible pour la culture. Et voilà, c'est aussi en cas de compaction ou de tassement, c'est la porosité qui est la plus atteinte. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des mesures qui permettent de distinguer ces deux porosités. Et c'est des mesures intéressantes à faire si on fait un essai un petit peu plus long. Au niveau du développement racinaire, donc les racines des poireaux observées, il y a un petit peu quelques constats qui ressortent. Donc le témoin, les racines des poireaux étaient vraiment très peu développées, ce qui explique le rendement qui n'était pas exceptionnel. Et les mottes de terre étaient vraiment très très friables. À l'inverse, le nautil, donc le volume racinaire était bien développé, autant en profondeur qu'en largeur. Donc voilà, sur les photos, on ne le voit pas très très bien, enfin c'est pas très clair, mais sur le champ, ça se voyait bien. Et la structure était plus stable, les mottes se tenaient plus, c'était plus difficile à casser. Donc ça montre que c'est un sol qui peut se structurer assez bien si on le tient bien. Et ensuite, le strip-till, donc un autre constat qui a été fait, c'est la limite très nette en fait entre le sol travaillé et le sol qui n'était pas travaillé. Et les racines sont vraiment restées condensées à l'intérieur du sol travaillé. Donc voilà, c'est juste une observation visuelle, mais ça nous permet quand même de comprendre des choses. Et dans les trois traitements paillés, en fait, le strip-till mécanique était celui qui a montré le rendement moyen le plus bas. Donc peut-être expliqué par ça. Donc qu'est-ce qu'on retient de cet essai? Donc le couvert, ce qui est important, c'est la biomasse et la maturité, qui là se sont révélés insuffisants. Le paillage qui amène des meilleures conditions de température et d'humidité durant l'été. Donc en conditions sèches, c'est bien. Le no-till qui a montré des rendements élevés et qui n'a pas eu de compaction. Culture associée, donc qui a gelé. Le strip-till qui limite le développement racinaire et le strip-till végétal. J'ai pas vu d'intérêt particulier dans cet essai. Donc, pour approfondir, en fait, ce serait vraiment de travailler sur les couverts végétaux, les paillages, les couverts vivants, la mécanisation, les dynamiques de l'azote, la porosité structurale et voilà, rentabilité économique pour pouvoir comparer en fait ces différences de rendement. Donc, c'est tous des thèmes qui sont assez abordés ici. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et rapidement, je vais vous parler du deuxième essai qui a été fait. Donc l'occultation sur le rumex. Donc, une petite introduction. Le rumex, il a deux modes de reproduction, sexué et végétatif, ou clonal. Donc, en fait, sexué, c'est ce qui lui permet d'avoir une certaine variabilité génétique dans sa population. Et la multiplication clonale, c'est vraiment ce qui lui permet de se développer à grande échelle. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe au niveau du rhizome. Le rhizome, c'est la partie supérieure de la racine. Et voilà, donc il faut savoir qu'une racine de rumex, elle est capable de se multiplier à partir de 5 ans et qu'elle est capable de régénérer une plante en 40-50 jours, que ça se passe principalement au printemps et qu'elle peut le faire jusqu'à 20 cm de profond. Donc quand on applique ça à l'agriculture de conservation, on se rend compte que la multiplication sexuée ne pose pas un grand problème, surtout que sous paillage, il y a une forte prédation des semences en surface, donc on ne s'inquiète pas. Par contre, c'est au niveau des rumex qui sont déjà établis, là, c'est problématique. Il n'y a pas de moyen de lutte de mécanique directe et ça devient vite un problème ingérable. Donc, en fait, les deux méthodes de lutte qui sont testées se basent sur le point de compensation.
Pour vous résumer vite fait, c'est bien en fait. Charles vous a déjà résumé photosynthèse et respiration. Donc en fait, photosynthèse, on accumule, on prend le carbone de l'air et on accumule dans les réserves, tandis que respiration, on reprend les sucres et ça libère du carbone. Et tout dépend en fait de l'intensité lumineuse. Donc l'idée en fait avec l'occultation, c'est de se situer en dessous du point de compensation. Donc faire en sorte qu'il n'y ait presque pas ou pas du tout de photosynthèse pour que la plante ne puisse pas stocker, par contre qu'elle s'épuise en relâchant progressivement du carbone. Et l'autre modalité qui consiste à faucher, en fait, là vous avez le graphique d'une plante après une coupe, donc on voit que la plante elle commence à pousser. Au début, elle diminue fortement ses réserves racinaires, donc en fait elle puise dans ses racines pour pousser. Et dès qu'elle s'est suffisamment développée, elle peut recommencer à faire de la photosynthèse et à réaccumuler des réserves. Donc en fait l'idée c'est de faucher à ce moment-là et régulièrement durant toute la saison pour épuiser progressivement la plante. Et ça c'est une technique qui est intéressante quand les surfaces sont trop grandes pour être occultées par exemple. Voilà, au niveau de l'essai, les fauches ont été réalisées chaque 3 semaines et les bâchages, ça a été 2 et 3 mois. Donc, au niveau des résultats, je vous présente là la masse fraîche et la masse sèche des racines à la fin de l'essai. Donc, on voit qu'il y a des différences en fait entre les proportions, ce qui nous amène à conclure en fait que les compositions des racines sont différentes. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est le taux de la matière sèche sur la matière fraîche. Donc, il faut savoir que là, c'est le taux de matière sèche, il est fortement corrélé au stock d'hydrate de carbone, donc plus précisément, en fait, aux réserves que la racine elle a stockées. Et donc, il y a deux constats très intéressants qui ressortent de cet essai. C'est les deux procédés d'occultation, ils montrent un résultat vraiment très équivalent. Et la fauche, elle montre un résultat intermédiaire entre l'occultation et les témoins. Donc, en image, vous avez les rumex témoins, les rumex fauchés qui, au niveau racinaire, sont assez similaires et niveau feuillage, c'est plus végétatif, donc plus de feuilles et moins de fleurs. Et le dernier, c'est l'occultation. Donc là, on voit que les racines n'ont pas poussé, il n'y a pas de racines adventices, ou beaucoup moins. Et tout le feuillage est mort. Tous ces résultats, comparés aussi avec un autre essai qui a été mené par le CTIFL. En fait, le CTIFL, on fait des essais de 5 mois de bâchage qui se sont révélés insuffisants sur les vivaces. Donc là, c'était des chardons et des liserons. Et ils ont aussi vu que le film opaque était plus efficace que la toile tissée. Et ils ont remarqué un tassement de sol sous toile tissée. Donc, en fait, tous ces résultats nous amènent à conclure que ce serait intéressant de refaire cet essai, mais de faire des temps de bâchage beaucoup plus longs. Donc, 2 et 3 mois, ce n'est pas suffisant. Comparer l'effet d'une bâche tissée et d'une bâche opaque, ce serait intéressant de voir sur les réserves racinaires, en fait, comment ça se comporte. Et enfin, si on reprend la modalité de la fauche, de le faire chaque 2 semaines plutôt que chaque 3 semaines. Il faut savoir que le rumex reconstitue très rapidement ses réserves. Et peut-être que ça pourrait changer. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.